na bayimbo kanyo sotu bisika tu bozwami toza na isimwa kokutana na bino lelo pona koloba makambo yo esalemi na République démocratique du Congo uta mokolo ya lobby oyo ba congolais tu misu na bango les a fixé na prison militaire de Ndolo bisika owapi les assaillants y compris les américains oyo ba yaki bongo ko sala coup d'état déjoué en République démocratique du Congo baza na kati ya kosambisama na park na prison militaire ya Ndolo en matière répressive. Là, le procès a été ouvert, il y a eu l'identification des prévenus et plusieurs autres accusations qui sont retenues contre ces groupes de malfrats qui ont fait l'association des malfaiteurs et aussi le renversement des institutions légalement établies. Vous allez retrouver la Katia Manaka Oyonaye Libino Lilo, comment est-ce que Batouana, Bazali Bongo, Kosengela Bango, surtout la peine de mort pour les trois Américains impliqués na Manakawana malgré na coup d'état de Jouéwana, malgré la pression, il y a Oyoto Bengi Bongo, les Américains qui ont cherché à ce que le gouvernement de Kinshasa puisse céder à leur préoccupation, notamment d'extrader les Américains arrêtés à Kinshasa pour être jugés aux États-Unis d'Amérique. Nous avons félicité le courage de l'auditeur militaire Oyo Azali Nadossier à sa charge, qui est en train de montrer devant la face du monde que nous ne pouvons pas céder à la manipulation. Nous allons également parler de Christian Malang, son fils Marcel Malang, et surtout le conseiller principal de l'administrateur général de l'ANR, M. Jean-Jacques Ondo, Oyoye Mutuka, Ikenda Kinango, Christian Malang, pour Akendeko renverser le régime en place, Ezalaki Mutuka Naye, Oyokutu ANR, et Pesakiye, pour la mobilité Naye, mais Mutuka Wana, Ndebakeyi, pour retrouver Namaboko, ya Christian Malang, Oyoye Dakiye, Yakusala coup d'État Wana. Donc, complicité élargie entre les services de renseignement et aussi les terroristes qui ont été soutenus par les Américains pour donner un avertissement à Tshisekedi qui n'avait pas voulu faire observer les injonctions qui lui ont été données par les États-Unis et la communauté internationale, qui sont notamment les négociations entre le gouvernement de Kinshasa et ce que nous appelons le rebelle et le terroriste du M23. Pour finir, nous allons parler du président Tshisekedi qui boycotte la réunion de l'EAC et qui menace d'ailleurs le président William Ruto de cesser toute collaboration entre la République démocratique du Congo et le Kenya, parce que les relations sont tendues depuis la dernière sortie médiatique du président William Ruto aux États-Unis d'Amérique et surtout dans le journal de Jeune Afrique. Dans cette intervention, président William Ruto avait dit que le président Tshisekedi avait confirmé dans une réunion que le problème du M23, c'est un problème des Congolais et non du Rwanda. Ainsi, mesdames et messieurs, voilà Oyonaye Libino, sans oublier l'Est de la République démocratique du Congo, na Kanyabaonga, Oyo est commis en fer pour le Rwandais qui ne cesse que de pleurer, qui n'ont que leurs yeux pour pleurer, même si le président rwandais a pekisi bango ki bakoki kolelate na bango oyo bazali kokufa à l'est de la République démocratique du Congo, et Vladimir Poutine qui menace de mettre fin à la dictature des Américains si bazali kolongola matambe na bango te na makambo yo ezali ko salema bongo ou en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, encore une fois, merci et bienvenue dans votre nouveau numéro de décryptage de l'actualité politique. Jeff Badibanga, communicateur de la République. Je suis là pour vous donner la synthèse de ce qui s'est passé dans la prison militaire ya Ndolo, pour vous donner également ce qui s'est passé dans Katia Manaka, ou soit ya Réunion, ya ba chef d'État membre de la communauté de East African Community. Et nous allons essayer de finir tout cela avec la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Mais entre-temps, je vous demande de liker l'émission, je vous demande de partager les liens, je vous demande surtout de nous écrire en chat, en commentaire, pour que nous puissions avoir également votre avis sur l'actualité que nous traitons en ce net instant. Je vous ai dit, mes chers compatriotes, que lobby et Zalaki débit, il y a procès
contre les putschistes, les amis de Christian Malang, les complices de Christian Malang, qui s'étaient complotés pour renverser les institutions légalement établies. Pour une petite histoire, Nalobaki Nabino, Christian Malang, qui était congolais, recherché par le renseignement militaire, a été soutenu de l'autre côté par les États-Unis d'Amérique, par le président rwandais, Oyoba Soutenaki, pour faire passer cet avertissement contre le régime de Tshisekedi, pour menacer le régime de Tshisekedi, comme quoi Soki Tshisekedi a obtempéré Makamboyo, Américain, la communauté internationale, Bazali Kosalate. Le régime de Tshisekedi sera renversé et que na minute wana Tshisekedi allait obtempérer la pression au bango babandaki kotchai. Pression babandaki kotchai na tata mokonzi ikolo ezalaki ke avant ya kobimisa gouvernement il devrait y avoir des négociations entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Tshisekedi devrait d'abord négocier avec le rebelle du M23. Et vous savez, la position de Tshisekedi, c'est de ne pas négocier avec le M23 parce que le M23 est une coquille vide dont celui qui les protège, celui qui les finance, et le Rwanda et surtout le président Kagame. Par rapport à la position prise par Tshisekedi, cela menaçait les intérêts des Américains. La position qui a été prise par le président de la République mettait en danger les intérêts des Américains en Afrique, et surtout le plan et la coopération qui existaient entre le Rwanda et les Américains. Ainsi, la transit de minerais qui étaient exploités d'une manière illégale dans des zones occupées illégalement par les groupes armés, surtout soutenus par le Rwanda, également dont le principal groupe armé est le M23, moyen transitoire n'est salement et à la quitter. Il fallait maintenant faire pression à Tshisekedi de continuer à collaborer avec le M23. La collaboration avec le M23 allait permettre à ce que deux ou trois membres, on appelle ça comment, il y a groupe politique, il y a M23 et Kotanakatia gouvernement, et plusieurs militaires officiers rwandais envoyés par Paul Kagame pour soutenir le rebelle, les Congolais qui sont frustrés au niveau politique, Bango Baya Kokotasiko, il y a une armée congolaise, pour pérenniser l'infiltration, pour pérenniser ainsi la traîtrise au niveau de l'armée. Et la condition qui était posée, une fois que ces gens recrutés au niveau de l'armée, ils devraient être affectés ou soit envoyés toujours à l'est de la République afin d'ouvrir un couloir dans lequel le minerai devrait toujours sortir et transiter par le Rwanda. Et le Rwanda, comme receleur, devrait gagner ainsi pour organiser son économie et la survie du Rwanda. Parce que sans la République démocratique du Congo, le Rwanda ne peut pas vivre. Ainsi, lorsque Tshisekedi a boyi kolanda, bamakambo yo bango balobela kiye, bakeye siko yo kosala moi avertissement wana. Et lorsque basali avertissement, ils ont été neutralisés, arrêtés. Mais comme je vous ai dit, notre pays avec l'infiltration, notre pays avec plusieurs traîtres qui sont au niveau de l'administration, qui sont au niveau de nos services de renseignement, il fallait maintenant qu'on commence la réforme sur des institutions de la République. La réforme des institutions, c'est un autre dossier. Mais na minute, qu'est-ce qui se passe? Batouana, tango bakangi bango, toye ko découvrir que parmi ceux qui étaient arrêtés, il y avait les Américains. Trois Américains, plus Christian Malang Yemoko qui était quatrième Américain. Mais Malang a été tué. Mais son fils Marcel Malang et deux autres Américains
ont comparu hier. Mais avant comparution na bango, batoua na bazala ki entendu sur PV. Na tango babanda ki ko entendre bango sur le PV, je peux vous dire avec assurance que les États-Unis d'Amérique ont utilisé de faire pression, ont appelé par téléphone, des appels téléphoniques, pour que les sujets américains arrêtés à Kinshasa puissent être extradés aux États-Unis, parce que les Américains pensent que notre justice est coquille qu'au Sambisa Bangote, parce que notre justice, elle est malade, elle ne peut pas juger. J'étais fier de l'auditeur supérieur militaire, Oyo Azali n'a problème, Oyo Namabo Konaye. Selon cet auditeur supérieur, l'ambassadrice des États-Unis, Madame Lissi Tamley, Oyo Azali, ambassadrice des États-Unis, lorsque on a refusé de collaborer avec le gouvernement congolais pour extrader ces criminels que les Américains ont utilisés pour renverser le régime de Kinshasa, Batindi ambassadrice wana akeiti na salle d'audience, ba bengana kiye na salle d'audience oyo e bandaki koyamba ba oba américain qui était entendu sur PV avant le début du procès et n'était parti pour s'ingérer dans la justice congolaise pour donner des injonctions pour réclamer à ce que les Américains ne peuvent pas être jugés en République démocratique du Congo. Ce que nous sommes en train de féliciter ici, c'est le courage qu'a eu l'auditeur supérieur de dire à l'ambassadrice des États-Unis de quitter la salle. Elle a été expulsée de la salle malgré Azali ambassadrice des États-Unis. La réponse qu'on lui a donnée, amenez vos avocats, recrutez les meilleurs avocats, le meilleur, parce que recrutez ces gens-là, amenez-les ici et ils doivent défendre vos concitoyens. Et d'ailleurs, vous devez retenir que l'arrivée de ces Américains sur le sol congolais était notifiée par à l'ambassade des États-Unis. Donc, chaque sujet américain qui foule ses pieds en République démocratique du Congo, l'ambassade des États-Unis est sengenye yeba que si j'ai américain à côté na Congo, aye kosala nini, a kosala mikoloboni, a kozonga mikoloboni. Il doit d'ailleurs s'identifier kuna, a kokende ko informer ambassade de sa présence en RDC. Ça veut dire que cette ambassadrice savait que ces Américains, bayaki na Congo, et la mission oyo bazala kinango na République démocratique du Congo. Ainsi, la bonne nouvelle est que lorsqu'on a expulsé cette ambassadrice na niveau yeba audition yaba américain wana et pas yaba officier de police judiciaire, ce qui en est suivi ezali bombe coup de canon oyo koyaki mukolo ya lobby. Quel a été ce coup de canon? Mesdames et messieurs, préparez-vous à recevoir ce coup de canon qui est tombé sur les têtes des Américains. Les Américains ne s'attendaient pas à une telle réaction. Les Américains ne s'attendaient pas à ce que Tshisekedi puisse crucifier. Je vous ai dit, Tshisekedi ne s'insurge pas, ne s'ingère pas dans ce qui concerne la justice. Oh, Yambo Kanabiso. Mais Tshisekedi azali magistrat suprême. En tant que magistrat suprême, Mukoloya lobby, le chef de l'État, n'y est pour rien na Oyo Salimi. Mais la bombe qui est tombée, c'est la condamnation à la peine de mort, il y a trois Américains. Comme pour dire aux Américains, vous pouvez tout faire, mais la République démocratique du Congo n'est pas une province des Américains dont nous allons continuer à recevoir les injonctions. Et vous allez vous rappeler que lorsque Emmanuel Macron a yaki awana Kinshasa, le chef de l'État l'avait pointé du doigt. Ayebi Sakiye, que aujourd'hui nous voulons en Afrique avoir des relations d'égal à égal. Moutoisa Likolo ya Moninga Azate. Tous nous sommes égaux, nous sommes des pays souverains et personne n'a les injonctions à donner à quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi Moukolo ya lobby, l'auditeur supérieur, l'auditeur militaire a réclamé à ce que les Américains qui sont accusés d'attentat, de renversement des institutions, Yakoboma, le deux policiers qui étaient commis à la garde, il y a M. Vital Kamerhe, d'avoir eu l'intention de renverser le pouvoir
pour avoir fait une association de malfaiteurs, ces Américains doivent être condamnés à la peine de mort. Ainsi, ça commence à troubler les Américains. Comment est-ce qu'un auditeur congolais peut réclamer la peine de mort pour des sujets américains? Je vous avais dit que Makamboza ya Kobaluka, match et Balouki, si c'est comme une neuf. Si c'est comme une neuf. Et les Américains ne comprennent pas. Ainsi, la réaction directe, il y a Vladimir Poutine, lorsque les Américains ont essayé de faire la dictature, de s'insurger dans la justice, dans le fonctionnement normal, il y a institution, il y a Mboka na biso, Vladimir Poutine est parti plus loin. Lemonde.fr, il y a ma français, Vladimir Poutine a accueilli comme ça la déclaration fracassante pour menacer les intérêts, il y a ma français, pour menacer les intérêts des Américains. Hier, vous avez vu le président Zelensky de l'Ukraine réussir en France. L'Ukraine, ou soit la Russie, compte maintenant la France comme pays allié à l'Ukraine. Parce que la France promet de donner les avions de chasse, les avions de guerre à l'Ukraine pour faire face à la Russie. Et la réaction que tout le monde attendait, c'est celle de Vladimir Poutine. Poutine a lobby boy. Binob américain, sauf qui vous allez continuer, na makambo yo vous allez ko sala na République démocratique du Congo. Je suis après, je suis à mesure. Na pesa manduki, na ba moka tout ya tiers monde, afin de mettre fin à la dictature des Américains. Et lorsque Poutine parle, il précise na soukawana que le pays clé, yo ba ko pesa manduki, pour mettre fin à la dictature des Américains de l'Occident en Afrique, c'est la République démocratique du Congo. Et vous savez qu'il y a une guerre froide qui existe entre le président Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, et les autorités américaines. Parce que la manière dont les Américains sont en train de regarder, vous allez comprendre que le mécontentement du président Tshisekedi s'est avéré lorsqu'il y a eu une réunion de chefs d'État des pays membres de l'EAC qui s'est tenu en Afrique, en Sud-Soudan. Vous allez voir que la réaction de Tshisekedi fait référence aux dernières déclarations d'un président membre des États de East African Community récit à la Maison Blanche par M. Joe Biden, le président des États-Unis. Tshisekedi a d'abord fustigé le comportement, la sortie médiatique, les propos tenus par William Ruto par rapport à la situation de la République démocratique du Congo. Ainsi, mes chers compatriotes, vous allez comprendre que ces Américains qui sont menacés aujourd'hui par la Russie qui dit prêt à donner les armes, à amener le militaire russe, à doter le pays du tiers-monde de tous les équipements possibles pour mettre fin à la dictature de l'Occident. Regardez maintenant, la dictature de l'Occident est en train de passer par le pays membre de East African Community. Ces pays de l'Afrique de l'Est, Baye Basangani Mukolo ya lobby, pour appeler Tshisekedi à Kenena Sud-Soudan. Vous allez voir que le Sud-Soudan, le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, le Rwanda, ce sont les pays Oyobazali ba nilotique. Et les nilotiques s'entraident entre eux. Ils sont contre la République démocratique du Congo. Il y avait un plan, la pression. Oyobango Bazala Kinango, cette pression qui devait être exécutée sur le président Tshisekedi. Retenez, la première chose Oyobazalaki, c'était de convaincre Tshisekedi à négocier et s'imiter. La pression avait commencé avec le réseau et s'imiter. La pression est venue de William Ruto et s'imiter. Le coup de téléphone d'Anthony Blinken et s'imiter. Le coup de téléphone de Joe Biden et s'imiter. Le lot Oyo, vous allez vous rendre compte que Tshisekedi continue à partir dans le patriotisme. Ils ne s'attendaient pas à ce que Tshisekedi puisse leur pourrir la vie pour que Tshisekedi puisse changer l'ordre mondial. L'ordre mondial qui est en train de changer aujourd'hui, c'est parce que cette détermination qu'a le président de la République congolaise, tout le monde doit le savoir. Maintenant, je vous dis, lorsque Américains, Monique et Nyon se s'imitent, ils utilisent William Ruto. William Ruto est président il y a Kenya. Kenya fait partie, il y a un pays membre, il y a East African Community. Écoutez ce que je vais vous dire.
va convoquer réunion pour faire reculer Félix Tshisekedi, pour apaiser la tension de Tshisekedi. Pourquoi ils veulent apaiser la tension de Tshisekedi? Parce que Bamonique na front kuna à l'est de la République, l'armée ne recule plus. Le M23 n'avance plus. Mais par contre, c'est Banyarwanga bazo koufa. Par contre, c'est l'armée rwandaise qui est attaquée. Par contre, ce sont les Rwandais qui sont en perte de vitesse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher à accepter les conditions de Tshisekedi. Et quelles sont les conditions de Tshisekedi? Rwanda doit retirer ses troupes sur le sol congolais. Et pour maintenant apaiser la colère de Tshisekedi, il faut l'appeler dans une réunion qui est tenue wapi kuna na Sud Soudan. Na cadre ya East African Community Oyotobengi EAC. Bango va bandeki ko s'attendre que Fatih allait faire le déplacement. Bango tout bazala qui déjà sur place, le président sud-soudanais, les William Ruto, les Paul Kagame et les autres. Ils attendaient l'arrivée du président Tshisekedi pour lui dire que monsieur le président, nous avons accepté vos conditions, nous voulons retirer nos troupes. Et retirer les troupes, pourquoi? Parce que le moment du retrait des troupes est déjà passé. Yambalo yoto bunda mbuzu na mbuzu comme Mibali babundaka. Bango ba komi siko koluka, le moyen de changer. Le moyen d'apaiser Félix Tshisekedi. Tshisekedi refuse de participer, d'aller dans le Sud-Soudan, de participer à cette réunion, mais il part par visioconférence. Il est intervenu plutôt par la vidéoconférence. Lorsque Tshisekedi arrive dans une vidéoconférence, Bapesie Maloba, il commence d'abord à gronder M. William Ruto. À Yébissier, je ne suis pas d'accord. Je suis mécontent des derniers propos tenus par William Ruto. Ce qui bino ba président ya ba pays membre de l'Afrique de l'Est, bo condamné ba propos wanate, je ne veux plus participer à la réunion et directement Tshisekedi se déconnecte de la vidéoconférence. Et ça a créé une panique totale na kati ya Sud-Soudan. Bisiko e bango bazala ki na plan na bango, ya ko convaincre Tshisekedi, ya ko apaiser nanu Kanda ya Tshisekedi. Mais Bamoni Tshisekedi qui n'est pas sur place, il participe par vidéoconférence, il commence d'abord à s'indigner. Il y a qu'à condamner le propos tenu par William Ruto, alors que dans le cadre de Makambo Ezali Kodeka, il n'est ni médiateur. Parce que le médiateur, dans le cadre du processus à Nairobi, c'est l'ancien président kenyan, M. Uhuru Kenyatta. Mais lui, il s'est permis d'aller dire à la Maison Blanche que Tshisekedi à l'obaki que le problème du M23, c'est un problème congolais. Zokande Zalaki Lokuta, Tshisekedi l'attendait na kati ya tournure, ya courbir. Et puis courbir, et la tournure dont prennent les choses, et Zali Kokende, na lolenge que même East African Community, lorsqu'ils ont appris que Tshisekedi est en train de fabriquer les explosifs, Tshisekedi est en train de fabriquer les bombes, et en sachant qu'en RDC, toutes les matières premières nécessaires à la fabrication. Il y a ma bombe, il y a ma explosif, ils allaient en RDC. Qu'est-ce qu'ils font? Maintenant, il faut recourir à ce que Tshisekedi a zongana nonasima. Tshisekedi doit d'abord kukiti sakanda naï. Et pendant que Bango Babanda qui cause là-bas, Tshisekedi va kitiser Kanda, Tshisekedi arrive et commence à blâmer William Ruto. Et il demande aux autres présidents, ceux qui vont se désabonner, ceux qui vont lobiter que vous avez désaccord, Ruto, Ngaïna Bino, et Sili, je me déconnecte. Et Kuna et Tikali, tension sur tension. Tikali, na tension sur tension. Il y a un autre chose qui est en train de se faire. Et c'est un peu comme ça que nous avons fait. Nous devons être derrière l'armée, derrière les Ouazalim, derrière les institutions de la République. Nous sommes en train de partir na tournir Yasuka. Le régime de Kagame est par terre. Kagame lobby, il y a beaucoup à l'obaki que son régime est en train de partir vers la fin. Parce que les Occidentaux qui le soutenaient, Bazali ko abandonné yen lelo. Lelo dans le monde entier, la voix de la République démocratique du Congo, ezana katia koyokama. Aujourd'hui, on parle, yamakambo ezali koleka à l'Est.
pendant que nous avons passé des décennies où la voix du Congo et bandaki qu'on s'est fait attendre malgré les négociations, malgré le lobbying Kagame Salaki déjà pour convaincre tout ce monde-là par rapport à génocide et Salema qui na Rwanda, mais non, les choses, les années na Katia qu'on changé. Pourquoi? Parce qu'il y a la détermination d'un fils digne de notre pays, notre président Félix Tshisekedi, qui met la détermination dans les voyages qu'il est en train de faire pour convaincre tout ce monde-là que Makambo Lokagama Yebisa Kibino et Zali Lokuta. Regardez la manière dont les choses se présentent au niveau de Grand Lac, au niveau de l'EAC, au niveau de l'Afrique. L'Afrique aujourd'hui n'a pas besoin de vos jonctions, mais l'Afrique a ses propres problèmes et les propres problèmes de l'Afrique doivent être résolus par les Africains eux-mêmes. Aux problèmes africains, des solutions africaines. On n'a pas besoin des injonctions qui viennent des Occidentaux et d'autres pays membres de la communauté internationale. Ainsi, mes chers compatriotes, la peur qui change de camp, la peur qui commence à habiter Batoyo Bazali Bayiliya Mboka, qui se voit aujourd'hui découpée de tout. Pendant que la guerre est en train de se faire, ces gens-là continuent maintenant à chercher comment est-ce que l'ordre mondial, pour ceux qui ont changé les lots, il faut que les États-Unis puissent tomber. Parce que la construction, il y a complexe industriel et à Mandouk, la présence de la Russie et de la Chine en RDC, avec le potentiel qui regorge la République démocratique du Congo, c'est le changement, il y a autres amis qui ont l'ordre mondial. Et celui qui est à la base, il y a changement, il y a ordre mondial, il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi? Parce que la prise de décision aujourd'hui de tourner le dos aux Américains, de défier les Américains, ils ont essayé pour la première fois, leur plan a échoué. Et ils sont en train de se poser la question, comme Kagame vient de le dire à un membre de sa famille proche dont la conversation a été interceptée par le service de sécurité russe, qu'ils ont sous-estimé Tshisekedi. Et c'est Tshisekedi qui était sous-estimé est en train de mettre fin à leur régime parce que les Occidentaux m'ont abandonné et ils veulent me livrer à la justice internationale. Et la justice internationale qui est en train de rechercher Paul Kagame a commencé par un mandat d'arrêt international contre d'abord l'auteur Mutoyo Kagame Abandaki Kotinda na kombo ya monsieur Vincent Karega. Karega qui est maintenant personne non grata na autres alli kobenga les seuls Belges. Parce que les Belges se sont rendus compte que M. Vincent Karega était envoyé par M. Kagame pour ainsi éliminer des sujets belges d'origine rwandaise qui s'opposaient au régime de Kagame. Par rapport aux révélations, plusieurs révélations des journalistes ont ébimi na ba enquête avec ce que Tshisekedi avait rapporté dans des grands salons, avec les images à l'appui et également les images des experts de l'ONU qui ont été rassemblés et tout ça maintenant. Le monde commence à lâcher Kagame et accepte le discours de Tshisekedi. Mais c'est trop tard, parce que le virage est aussi viré. La réaction de l'ambassadeur de Russie à la République démocratique du Congo, alors, par rapport à l'évolution de la situation géopolitique du monde, la Russie, à la tête de la BRICS, a ouvert des négociations avec plusieurs pays du monde, avec la communauté internationale. Le partenaire, il y a Russie et en Afrique, et le pays clé, il y a partenariat, il y a la République démocratique du Congo. Ça veut dire que l'ordre mondial doit changer. Peut-être la troisième guerre mondiale est causée en Afrique et Kobanda entre les pays nilotiques, il y a EAC et la République démocratique du Congo. Parce que les Américains soutiennent le pays nilotique, la Russie et la Chine soutiennent la République démocratique du Congo. Les Arabes également soutiennent la République démocratique du Congo. Parce que Tshisekedi a réussi à convaincre les Arabes de venir investir à l'est de la République démocratique du Congo, de mettre l'air firme, de mettre tout, mais d'engager des Congolais. Et l'État congolais doit bénéficier d'abord dans l'exploitation Yaba Minerai Nabiso avec des firmes qui ne sont pas en côté Arabie, mais installés dans Nord Kivu et Sud Kivu. Et lorsque ça sera installé, les Congolais vont dire que nous avons mis on exploite les matières premières, le gouvernement congolais est gagné dans les impôts, dans les taxes, les Congolais vont mis ça et
partage, il y a aussi qu'on va exploiter, vous allez à 50-50. À part l'exploitation, il y aura maintenant la transformation. Na kati wana pe, ba Congolais ba kozwa misala, pe gouvernement y kozwa ba taxe na ba impôt, et comme ça, tokoki kozwa na bino bidye, ou y'a qui même bidye à États-Unis. À ce moment-là, on allouera à l'armée congolaise le bidye conséquent. La construction des bases militaires russo-congolaises en République démocratique du Congo, ça sera une manière de sécuriser. Parce que ceux qui ont mis qu'on attaque et que peut-être qu'il y a une base militaire à Paris, la Russie va considérer cela comme une menace de guerre. Et y en Afrique, si on lance une guerre contre la Russie, vous allez subir la rigueur de tout ce qui est en train de se passer. Voilà un peu ce que je vous ai amené ce week-end pour parler de la situation qui a prévalu dans la prison militaire de Ndolo, dans la réunion, il y a un chef d'État membre, il y a EAC, dans ce qui se passe sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo, où Kanyabaonga et ses alentours sont devenus l'enfer et la mort en catastrophe pour les terroristes du M0, le Rwandais. Ngaina bino tokutani mukolo ya lundi sur la même chaîne avec le même plaisir. Ciao.